Bonjour Tessa. Bonjour. Ça va? Fayer, oui ça va. Dis-moi, tu reviens d'une tournée en Amérique du Sud. Comment ça s'est passé? Bah alors il y a eu deux tournées. D'abord la première tournée en janvier. C'était plutôt pas mal, enfin, vers la fin. Et après, j'ai fait quart au dernier tournoi. Et après la deuxième tournée au Brésil, j'ai fait quart et après perdu au deuxième tour. D'accord. Et donc quel était ton meilleur souvenir et ta meilleure perf? Alors ma meilleure perf, j'avais battu en 8ème la numéro 17 mondiale. Et après, après j'ai fait pas mal de perfs à 50 mondiales. Et voilà. Et après, au niveau de l'ambiance, ça fait quel pays déjà? J'ai fait Costa Rica, Venezuela, Colombie, Brésil et Paraguay. D'accord. Et l'ambiance en tournoi, c'est comment? Est-ce qu'il y a une particularité? Au fur et à mesure des tournois, avec les filles, les étrangères, on devient copines et puis il y a plutôt une bonne ambiance avec les joueurs. Et tu arrives après à te concentrer sur le match? Quand arrive le match, il n'y a plus de copines? Ah non, après, sur le terrain, c'est plus la copine. Et en dehors des matchs, qu'est-ce que tu fais là-bas dans ces pays? Tu visites un peu ou pas? On n'a pas trop le temps de visiter parce que déjà, faut qu'on reste concentré sur les tournois. Et puis, la plupart du temps, c'est un peu dangereux, donc on fait juste hôtel, club, hôtel, club. D'accord. Et t'es accompagnée ou t'es toute seule dans ces pays? Non, je suis toujours avec un coach. D'accord. Après, par rapport aux conditions de jeu, la chaleur, l'humidité, t'en as souffert ou pas? Faut dire que je viens de Madagascar, donc c'était plutôt, c'était pas facile, on va dire, c'était dur, mais si moi je souffrais, c'est que les autres elles souffraient encore plus. Donc, ouais. Et les joueuses d'Amérique du Sud, quel style de jeu elles ont? Je pense qu'elles sont un peu plus solides qu'en Europe, mais elles ont une frappe de balle un peu moins puissante, mais elles sont plus régulières et je pense que c'est dur à battre. Tes prochaines échéances là? Alors là je vais partir en Côte d'Azur pour un grade 1 ITF junior la semaine prochaine et après je pars en Italie à Milan pour un grade 1. Après peut-être à Charleroi en Belgique pour un ITF junior encore et puis après essayer de faire les grands chelems, ce qui est mon objectif de cette année. Et c'est pas sûr encore? Non c'est pas sûr parce que bien sûr j'ai peut-être le niveau, mais bon, il manque les sponsors, il manque le budget financier aussi, il n'est pas encore atteint, du coup, c'est un peu dur, mais bon. Et je crois qu'avec Tennis Fire, qui gère un petit peu toute la partie logistique, vous avez mis en place quelque chose, une opération. Par exemple, il y a les t-shirts, là, c'est 15 €, et puis, c'est ça qui peut, si on en achète 100, ça peut me financer un tournoi par exemple. D'accord, et on les trouve sur le site tennisfire.fr. D'accord, donc autrement la vie est belle, tout se passe bien? Oui, sinon la vie est belle, il fait beau, plutôt que prévu, il fait chaud et puis, j'espère pouvoir faire les grands chelems et visiter encore plus le monde. Bon écoute, bonne chance pour la suite. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.